Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les petits potes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soir cool au mic et dans cette vidéo, vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer le nouveau système qui est les cartes à remplir. Alors quand vous êtes dans le pass de combat, vous allez dans cartes à remplir et là vous avez des défis à réaliser et chaque défi vous donnera plein d'XP et à mon avis quand on aura tout rempli, bah, peut-être qu'on aura un bonus, j'espère. En tous les cas, il faudra finir, faudra découvrir déjà les 49, moi j'en ai découvert 23, il y en a 49 à découvrir et il faudra les finir tous avant la saison 4. Donc ça va peut-être être compliqué, ça dépend des défis que c'est. Alors on va analyser les défis que moi j'ai découverts, je ne sais pas encore analyser, donc je vais les analyser avec vous. Alors j'ai pas joué beaucoup de fois hein, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos pour vous, donc j'ai pas joué énormément. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire 3 classements dans le top 10, j'en ai fait 3. Donc voilà, il va falloir faire classement dans le top 10. Peut-être classement dans le top 5, dans le top 3, dans le top 2, top 1, etc. Je pense que ça, c'est pour les tops. Alors ici, tournée victorieuse, partie gagnée dans différents modes. Ah bah dans différents modes, voilà, il est bien marqué. Donc là, j'ai fait un top 1 en solo, donc il faudra sûrement le faire en duo, trio, section. Et fort d'empoigne, à mon avis. Ou alors, il n'y aura pas de trio, ce sera duo, section, foire d'empoigne et mission opération spéciale. Je ne sais pas. Alors ici, j'ai récolté 2905 matériaux sur 10 000. Donc, là, j'ai eu un petit logo de briques. Peut-être qu'il faudra faire le bois, le métal, je ne sais pas. Alors, cadeau bien emballé, c'est ravitaillement fouillé 3. J'en ai fouillé 3 ravitaillements. Ici, j'ai fouillé un coffre rare. Ici c'est des boîtes de munitions fouillées, ici c'est des coffres fouillés, ici c'est des dégâts infligés aux adversaires, ok, ici c'est des joueurs éliminés. Alors ici on est, ah ouais carrément, j'en ai déjà 4 réussis, donc la mitraillette, le fusil, le pistolet mitrailleur, le pompe je crois, et le sniper. Il manque le minigun, ouais le gun. Et sûrement un bazooka ou un truc explosif quoi. Donc éliminé avec les différents types d'armes. Alors ici, carnage. Donc faites des éliminations pistolet mitrailleur. Voilà. Ici c'est élimination fusil d'assaut. Alors ici il est déjà accompli parce qu'il n'y avait qu'une chose à faire. C'était d'éliminer un adversaire avec une pioche. Donc celui-là il est terminé et accompli. Alors ici c'était coin de pêche utilisé. Donc là il faut simplement pêcher. Là, c'est poisson attrapé. Mord à l'hameçon. Ok, c'est coin de pêche utilisé. Ok, donc ça, c'est les points de pêche. Donc là où on voit les poissons nager, où ça fait des ronds. Et ici, à mon avis, c'est des poissons attrapés. Donc il faut attraper des poissons dans ces ronds-là. Ok, les deux vont ensemble, je pense. Alors ici, c'est vous avez surfé derrière un requin à butin. Donc voilà, là il fallait juste surfer derrière un requin, donc ça c'est accompli, donc voilà, c'est bon. Alors ici, expert des armes, distinction d'expert différente. Alors ça je ne sais pas trop ce que c'est, distinction d'expert différente. Peut-être que j'ai fait à différentes armes avec, enfin j'ai tué des ennemis avec plusieurs armes de fusil d'assaut en tous les cas, différents. À mon avis ça doit être ça. Alors Prams, c'est quoi ça? Distinction de premier joueur de la partie différente. Distinction de premier joueur de la partie différente. Ah, c'est peut-être, ouais, genre, la première personne à avoir ouvert un largage de ravitaillement, la première personne à avoir ouvert un coffre, la première personne à avoir pêché un poisson. À mon avis, c'est ça les distinctions. Ici, remplissage de la carte à remplir. Ah, ben ça, c'est ici les cartes à remplir. Voilà, c'est ça. J'en ai rempli 27 sur 100. Ok. Donc, apparemment, il y a peut-être 100 trucs à remplir. Non, à mon avis, il y en a plus. Il y en a 5, il y en a 20. Ouais, je pense qu'il y en a au moins 400, 450. Ici, remplissage compulsif. Donc, carte à remplir terminée. J'en ai rempli 4.
Il m'en manque encore une pour passer au prochain objectif. Ici, c'est prospérité obtenue pendant la saison 3. Alors, les prospérités, c'est dans carrière, je crois. Voilà, c'est ça. Sans retenue, naufragé solitaire, surf à risque, prends ma hache, etc., etc. Donc ça, c'est ça les distinctions. Non, c'est quoi? Les prospérités, c'est ça? Enfin, les prospérités, voilà. Alors ici, utiliser un vortex, voilà, donc ça accomplit. Balancer un objet, ça accomplit. Donc voilà. Alors pour les autres, par exemple, tu vois, il est marqué là. Fortnite K1, L1 Fortnite, L4 Fortnite, M1 Fortnite. Donc si vous avez une de mes cases là, le K1, le K2, le J3, le J1, J2, le I1, 2, le H3, le H1, H2. Est-ce que ça ne correspondrait pas par rapport à la map F2, F1? Ben, je pense pas. Hein. Ce serait un peu chelou. E7, E5, E3, E4, E2, D4, D3, C3, C2, B1, B2 et B3. B4. Alors, si vous avez des cases que moi je n'ai pas, notez le numéro de la case, donc B3 par exemple, vous le notez en commentaire et vous dites ce que vous avez. Comme ça, ben, ça pourra aider la communauté à trouver les cases manquantes. Alors bien sûr, bien entendu, quand j'aurai toutes les réponses de toutes les cases, je vous ferai une vidéo pour vous montrer exactement pour quelle case on doit faire quoi. Enfin, on doit faire quoi pour quelle case. Donc voilà, je parle en verlan, moi c'est pas possible. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. C'est une vidéo d'information, donc si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.